Salut! Oh, je ne sais plus à quel épisode je suis. Quatrième, je crois. Hein? Tu me corriges si c'est pas ça. Hein? Tu suis bien. Hein? Bon, voilà. L'abandon. Voilà. Je commence à écrire. Je fais 5 pages. Poup! J'abandonne. Ah bon? 10 ans après, 15 ans après, 50 ans après, 150 ans après, je retrouve le manuscrit. Pourquoi tout abandonner? Ah, je sais pourquoi. Une des causes de l'abandon de l'écriture, c'est que tu as commencé à écrire. Hein? Tu roules ta patch, tu reviens en arrière, tu as le rétroviseur. Et tu te dis, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Alors j'abandonne. Et pourquoi tu as abandonné? Non. Tu écris, tu ne regardes pas dans le rétroviseur. Sinon, tu termines jamais ton livre. Voilà. Imagine que c'est un premier jet. Voilà. Tout le monde n'est pas capable d'écrire du premier jet et que ça soit tout fini. Hein? Oh là là, tu vois. Moi, je ne connais pas beaucoup de personnes qui écrivent du premier jet. Je connais Amélie Nothomb. Voilà. Elle écrit « Tchouk, c'est le premier jet. » Je connais... Oh, tu vas dire que je me vante. Non. C'est comme ça. Et moi je, tu sais, je suis très paresseux. Paresseux. Je suis un vilain paresseux. Moi, j'écris du premier jet. Ouais. Je fais comme Amélie Nothomb. Voilà, je l'admire beaucoup, tu sais. Hein? C'est ma copine. Voilà, on est amis. Hein? C'est vraiment une fille exceptionnelle. Bon, ça, c'est une petite aparté. Hein? Aparté. Mais non. Aparté. Il faut dire les mots juste. Voilà, donc n'abandonne surtout pas. Alors, les gens qui sont capable d'écrire du premier jet, ça ne veut pas dire que quand ils ont terminé leur manuscrit, ils ne corrigent pas. Et non, attention, je n'ai pas dit ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne réécrit pas un petit passage. Mais le tout, le manuscrit, il est à peu près fini. Tu vois? Donc, toi, tu seras au premier jet. Et après, tu reprendras. Voilà, page par page. Tu réécris ce qui ne va pas, ce qui ne te plaît pas, ce que tu n'as pas pu exprimer ou ce que tu as mal exprimé. Voilà, c'est tout. C'est tout simple. Voilà, n'abandonne pas. Pourquoi tu abandonnes si tu as décidé d'écrire? Hein? C'est pas... Voilà, il faut pas abandonner. Voilà, c'est pour ça, regarde l'épisode d'avant, qu'il faut bien choisir ton sujet. Le sujet que tu aimeras du début à la fin. Voilà. C'est comme quand tu te maries. Il faut bien choisir la personne que tu aimeras du début jusqu'à le plus loin possible. Voilà. C'est pareil pour les livres. Tu vois, ça c'est un secret. Je te le partage. À bientôt.